Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, devinez quoi, coloriage. C'est vrai que maintenant il y a beaucoup de coloriage. Alors je rassure certaines personnes qui m'ont dit, oh tu fais plus de DP, tu fais plus de scrap, tu fais plus, si j'en fais encore, mais j'en fais moins, je fais moins de DP. Parce que bon, j'en ai fait beaucoup hein, pendant un moment, donc j'en fais juste un peu moins. Et voilà, là je suis dans ma période coloriage, donc voilà, scrapbooking, tout ça. Bon, j'en fais de temps en temps, mais voilà. Ah tiens, je me cherchais partout, où est-ce qu'il était? C'est devant mon nez, mon petit carnet Gorgus. Je cherchais partout. Oh, j'ai retrouvé. donc voilà, coloriage. Alors, j'ai continué aujourd'hui mon coloriage. Alors, c'est Fairy and Fantasy de Molly Harrison. Ouais, youpi, j'ai su le dire. Waouh. J'ai su le dire, youpi. Non mais c'est rien, il y a un peu de soleil aujourd'hui, donc c'est normal. Donc j'ai continué. Alors j'ai fait avec mes crayons de couleur, les nouveaux, les bruits par contre j'arrive pas à le dire, ah, brut fodeur. Bon, ça je vous le marque, j'arrive pas à le dire ça. Et donc les nouveaux que je vous ai présentés hier dans le haul Amazon, voilà. Donc je voulais voir ce que ça donnait. Bah ça donne bien, voilà. Alors j'avais regardé. Ah bah tiens, bah, c'est le jour des trouvailles. Je cherchais mon blender pour mon les feutres à alcool. Le voilà. Bon, je peux encore faire des trouvailles, peut-être. Donc voilà, j'ai retrouvé mon blender. Hop, voilà, il va aller en bas. Blender, c'est pour estomper les couleurs quand vous faites du feutre à alcool. Voilà. Donc, ben, c'est bien, j'ai retrouvé. Je vais encore faire des trouvailles hein, ce soir. Ben oui. Donc, je disais donc, arrêtons de dire des bêtises. Oui, j'ai donc fait le visage, les mains, les épaules, tout ça, voilà. Et alors, je vais regarder sur YouTube, puisque là, je ne connaissais pas du tout ces crayons, pour avoir les combos pour faire la peau. Alors, les combos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quel crayon on doit prendre pour tous les crayons qu'on doit prendre pour faire la peau, tous les crayons qu'on doit prendre pour faire telle couleur de cheveux, voilà. Donc, on appelle ça un combo. Et donc, je cherchais pour faire donc le combo peau-visage, et donc avec ces crayons-là, donc je trouve une vidéo. Je regarde la vidéo, je ne sais plus de qui. Donc, je marque les numéros de crayons. Ah, c'est les mêmes crayons, hein. Donc, c'est bien les mêmes crayons. Par contre, je n'ai pas fait attention à l'année de sa vidéo. Il faudra que je regarde. Donc, je fais pour préparer mes crayons avec le combo qu'elle donne. Aucune correspondance. Mais alors, aucune. Je me suis retrouvée avec du jaune, du vert, du orange, du violet. Mais alors, les numéros qu'elle donnait, et pourtant, elle les montre hein, dans la vidéo, elle montre bien le crayon. Donc, on voit le numéro aussi, elle le note et elle le montre. Bah, aucune correspondance.
Alors, mystère et boule de gomme. Alors, je pense que ça doit être sûrement une ancienne boîte qu'elle a. Et du coup, les numéros ne correspondent plus avec les boîtes de maintenant. Donc, j'ai dû faire mon combo toute seule. Donc, le combo peau-visage qu'il y a dans ma vidéo, c'est moi tout seul qui l'ai fait. Voilà. il donne très bien. Donc, je vous ai mis en barre d'infos les numéros de crayon qu'il faut utiliser pour faire le visage et la peau. Et petite nouveauté dans la vidéo, parce que, bon, franchement, j'en avais marre. Bon, quand on fait un montage de vidéo, ça prend du temps, hein. Et j'en avais. Non, bon, je ne vais pas dire que j'en avais marre. J'avais dire que c'était fastidieux. Voilà, on va prendre de grands mots. C'était fastidieux de vous mettre les numéros à chaque fois en dessous de la vidéo, l'incrustation et tout. Donc, j'ai pris des post-it. Et pendant que je fais mon coloriage, vous verrez qu'à chaque fois, je vous mets un petit post-it sur le dessin avec un numéro. Et c'est le numéro du crayon que je suis en train d'utiliser à chaque fois. Voilà. Et je crois que cette manière-là, c'est la meilleure. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr, je remets quand même en barre d'infos la liste des crayons que j'ai utilisés, hein. Voilà. Mais dites-moi ce que vous pensez de cette façon de faire, que je vous mets des petits post-it directement quand je suis en train de faire le coloriage, que je vous mets les post-it sur le colo pour vous dire quel crayon j'utilise. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. Bon, je vais utiliser du post-it, hein, mais c'est pas grave. De toute façon, les post-it, je vais les garder, hein. Ils retournent dans les boîtes et puis voilà, à chaque fois, je vais les ressortir quand j'en aurai besoin. Mais je crois que c'est la meilleure façon. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette façon de faire pour cette vidéo que j'ai faite aujourd'hui. Voilà. Et si ça vous va, on continuera comme ça dans la lancée. Ce sera beaucoup mieux. Donc là aujourd'hui je lui ai fait donc le visage, la peau et le bustier, voilà, et je me suis aperçue en même temps que j'ai oublié du coup son bras est comme ça, vous savez, là, et là il y a un petit trou et j'ai oublié un petit bout du fond, faire le fond, donc ça je l'ai pas fini, je l'ai pas mis. Ce soir je vais sortir ma palette à pastel et puis oups, je vais remettre un petit bout de pastel parce que du coup ça fait blanc. J'ai zappé ce petit morceau-là, mais bon, voilà, je l'ai vu, donc ce soir je vais le corriger, ça ne se verra plus. Voilà. Sinon, bah, rien de neuf. Voilà. Je vais vous faire une autre vidéo parce que, alors, je devais recevoir demain. Ça, Amazon, hein. Je devais le recevoir demain. J'ai reçu aujourd'hui le livre qui me manquait hier. Le livre de coloriage qui me manquait hier, que je devais recevoir demain, je l'ai eu aujourd'hui. Vous avez compris? Oui? Mais je suis vilaine là dans le truc. Donc, je vous fais une vidéo pour ce soir pour vous le présenter. Comme ça, vous verrez, il est joli, joli, joli. J'en dis pas plus. Voilà. Vous allez aimer. Allez, je vous laisse visionner tout ça. Moi, je vais aller, du coup descendre ça, mettre ça sur mon bureau. Je suis contente que je l'ai trouvé. Et en plus, c'était devant mon nez. Je vous jure, j'ai cherché pendant 2 heures, en plus. Ça fait plusieurs. Enfin, quand je dis 2 heures, non, ça fait plusieurs jours que je cherche après. Et c'était là, pile devant mon nez, sur ma table de travail. Ouais. Là, j'ai même encore des stickers de Gorgus. J'adore Gorgus. Voilà. C'est parce qu'ils avaient sorti un. Alors, je ne sais même pas si je l'ai là sous la main, le bouquin. Si. Ils ont sorti un bouquin comme ça.
Du coup, j'ai acheté que le numéro 1. Parce que en plus, ils vendent ça 6 euros. Donc j'ai acheté que le numéro 1. Puis bon, quand on regarde, c'est surtout pour les gosses. Hein. Donc j'ai acheté que le numéro 1. Mais il y a des bagues en 10. Donc je l'avais acheté que celui-là. Je ne sais même pas s'ils ont continué. Parce que du coup, je n'en entends plus parler sur Facebook, sur YouTube. Les filles, je n'en entends plus parler. Donc, je ne sais pas s'ils ont continué à le faire. Voilà. Mais ils adorent les Gorgus. Les Gorgus, les Betty Boop. Voilà. Ben oui, 57 ans, j'aime bien les Gorgus, les Betty Boop. J'aime bien tout ça, moi. Allez, je vous laisse regarder la vidéo et je vous fais en attendant plein de gros poutous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous, bon visionnage.
Thank you.
Thank you.
Thank you.